chaque dimanche nous avons service et qu'on a pu demander pour veiller nuit pour l'activité aussi. Of course, l'autre activité va venir soon, on va venir avec toute activité yo, mais entre-temps, nous fait service chaque dimanche à 10h. Adresse là au cap Gadeli dans flyer qui sous l'écran qui c'est 310 Bishop Avenue, c'est dans Bridgeport, Connecticut. Ou capable relayer tout dans numéro ça yo 917 1083 86 14 ou bien 203 et 940 52 ou capable voyer et ou capable voyer conseil ou écrire un texte un email pour féliciter comme moi n'a faire ba live là ou capable faire ça ou bien sous carré mais entrer dans profonde conversation à part ensemble avec nous ou capable toujours écrire ou bien relayer dans numéro ça ou bien aller sur website l'église là qui c'est pelacroix.com ou capable voyer tout. Of course, il y a moyen pour contribuer ou même qui veut aider. Peut-être que capable de dire ou loin, ou remettre vision, remettre travail là, ou pas qu'à venir, sous tes cavines ou t'as venu, et ou par contre qui est sous ta rue pour éviter de venir dans le travail là, mais ou voulez faire une contribution pas, ok, nous connaissons pile monde déjà fait, ou même si vous voulez entrer dans l'islam là, ou capable d'entrer dans l'islam là, ou qu'à faire ça par tout moyen qu'on est net qui existe, ou qu'à faire ça par zèle ou bien cacha, ou bien aller sur le site l'église, si ça plus facile pour vous, ou après toute méthode, tout moyen, ou capable en soit garder en bas live là ou après numéro qui c'est 203 892 et puis ou garder là qui c'est 92 37 203 892 92 37 koto ya téléphone ou on calé sous zèle ou bien aller sur website là et puis ou juste fouiller et sur certain quel que soit contribution ta bail et on connaît bon Dieu a béni ou à travers lui parce que ou contribuer nos grandes visions ou contribuer nos gros travail et laisse à tout non va écrire. Le bon Dieu va arriver, côté il va gagner pour lui avec la croix, non va être inscrit dans premier monde dans catégorie premier monde, premier couche monde qui te déposé en pierre, qui te bail comme qui te bail l'argent pour travail ça arriver côté lui là et pour que j'aime bon monde qui investit dans travail bon Dieu pour son investissement qui perd dit si tu as capitaliser parole ça parce que Paul t'a capable dit tout et c'est en semence, c'est un plateau, c'est plateau planté et là qui ou investir dans travail bon Dieu. Et bien, ou ka wè terre pied la croix, si on terre qui a poté, qui a pleuri, si on terre qui a bail bon fruit, si on terre qui a appelé à produire en pile et beaucoup de fruit, et bien, qui veut dire, ou même, ou gen moyen, ou capable de planter ces masses pour là, ou bien planter pied bois pour là, ou capable faire ça. Et c'est moyen ça, 203 892 92 37. Ou capable faire ça pour mon cap mandé information ça yo et nous connaissons pas quelques amis et une amis qui n'a salé sous là qui te dit pasteur Davidson moi ouais travail là même si moi même moi j'étais dans l'église déjà mais ma baie contribution et bien tard il te vient frapper porte moi il dit pasteur me porte contribution elle toujours fait ça elle est capable et toujours fait ça et des monde qui juste Boston côté qui relé qui passait par amis passait par un lot et puis qu'a foui contribution par yo ou même entrer dans l'isla et sous Canada ou bien Haïti peut-être ou ka dire OK c'est mon cash m'ka faire ou capable rele contacter nous cap toujours parce que dès vous voulez contribuer vous voulez participer a toujours gain moyen pour participer et qui veut dire rele dans numéro ça ouais qui dans flyer et puis nous capable parler nous cap partager et puis grand pile bagage nous cap faire ensemble encore pour mettre rele n'a cap aller sous rele pas joindre vous un texte et puis après ça nous même nous chercher moyen pour nous contacter. Mes amis, nous pour aller faut que nous aller et nous vraiment remercier ou même qui te prend temps pour être avec nous juste pour et jusqu'à laisser ça et en bas avec nous live là et n'a prévu encore ma distribution live mais et ou même capable venir n'a pas nous déplacer venir c'est dans 310 Bishop Avenue c'est dans Bridgeport Connecticut et pour venir pour venir adorer ensemble avec nous dimanche TV. Que bon Dieu bénisse et passe une très bonne soirée avec la paix bon Dieu, l'amour bon Dieu, que bon Dieu bénisse. Nouvelle église dans la communauté haïtienne. Pailacqua Christian Center is a new church in the Haitian community. Au mois de mai de l'année 2020, au début de la pandémie de Covid, un groupe d'études bibliques approfondies et de prières de puissance, composé d'environ 20 jeunes haïtiens américains dans l'état de Connecticut aux États-Unis, ont décidé de former une église pour leur génération. In May 2020, at the beginning of the COVID pandemics, a Bible study and prayer group of about 20 young Haitian Americans in Connecticut, decided to form a new church for this generation.
Ce groupe d'étudiants de la Bible et de citoyens concernés était dirigé par trois pasteurs. Ces derniers avaient entre eux plus de 35 ans d'expérience dans le ministère pastoral. C'était le pasteur Ronel Richardson, le pasteur Davison Dagrin et le pasteur artiste de renommée mondiale, T-Bob de Nazareth. This group was led by three pastors, who had more than 35 years of pastoral ministry experience between them. They were Pastor Renel Richardson, Pastor Davison Dagrin, and Pastor T-Bob de Nazareth. Après beaucoup de planification, d'études et de fréquentes sessions de prière, y compris deux longs jeûnes de 40 jours, le groupe a grandi jusqu'à compter plus de 100 membres. Ces jeunes haïtiens et haïtiennes provenaient du Canada, d'Haïti et de plusieurs États des États-Unis. After lots of planning, studies and prayer events including 40-day fasting, the group grew to more than 100 young leaders from Canada, Haiti and several states in the US. En octobre 2023, après 3 ans et demi de fonctionnement, le groupe a décidé de commencer un service de prière de veille de nuit, tous les vendredis soirs. In October 2023, after 3.5 years, the group decided to start a watch night prayer, every Friday night. Dieu a approuvé le programme de prière du vendredi soir. Ce fut un succès, pour les 6 mois prévus de son existence. God approved the Friday night prayer program. It was a success, for the intended 6 months of its existence. Ainsi, en mars 2024, le groupe s'est acquis un grand espace industriel vide et a commencé le projet ambitieux de construire un temple pour Dieu. So, in March 2024, the group leased a pretty big empty industrial space and started the ambitious project of building a temple for God. C'était un grand défi. Le temple devait refléter la grandeur de notre Dieu et la grandeur de notre vision, même si nous ne faisions que commencer. It was a great challenge. The temple had to reflect the greatness of our God and the grandeur of our vision, even though we were only starting. Le défi était encore plus grand, étant donné que seuls quelques leaders devaient réunir des centaines de milliers de dollars par eux-mêmes. Il n'y avait pas de congrégation sur laquelle s'appuyer, pas d'assemblée pour contribuer financièrement. L'objectif était de construire une église où les gens pourraient simplement venir adorer et louer, avec la paix dans leur cœur, sans la pression constante des dirigeants sur l'argent du peuple. The challenge was even bigger, considering that it was only a few leaders who had to come up with hundreds of thousands of dollars by themselves. There were no congregation to lean up on, no assembly to contribute financially. The goal was to build a church where the people could just come to worship and praise, with peace in their hearts. Avec beaucoup de sacrifices, la construction a duré environ 4 mois. Adultes, enfants, hommes et femmes, tout le monde était impliqué pour faire de ce projet une réalité. With a lot of sacrifice, the construction lasted about 4 months. Adults, children, men and women. Everyone was involved in making the project a reality. Malgré les peurs, malgré les obstacles, Dieu est resté aux côtés du groupe à travers tous les défis. Et le projet avançait de miracle en miracle. Despite the fears, despite the stumbles, God stood with the group through all the challenges. And the project was going from miracles to miracles. Le dimanche 5 mai 2024, suivant la révélation et le commandement du Saint-Esprit, le groupe a tenu son premier service de prière dominicale, même si la construction était encore en cours. On Sunday, May 5, 2024, following the Holy Spirit's revelation and command, the group had their first Sunday prayer.